Savoie. Et ce que j'en retiens, et ce qu'on en a retenu, c'est que les Vins de Savoie ont devant eux deux enjeux majeurs. Le premier, c'est sortir de l'ornière un peu d'image Vins de Raclette. Et c'est une des grandes ornières, et Vins de Tourisme, entre guillemets, c'est une grande ornière dans laquelle les Vins de Savoie sont et de laquelle il faut sortir. Donc comment utiliser les réseaux sociaux pour s'en sortir? Et la deuxième, c'est comment créer l'image, une fois d'être sorti de cette ornière-là, comment créer une autre image, une image plus orientée vers la valorisation. Parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est pas de tout vendre, puisque tout est vendu, mais l'enjeu, c'est de plus, mieux valoriser. Et en termes d'image, être capable de mieux valoriser la production en trouvant une autre image. Il y a une grande discussion autour de ça. Quelle doit être cette nouvelle image? Et comment en parler, sachant qu'on a retenu une phrase qui était de dire, entre autres, il se vend plus de vin de Savoie à New York, il se boit plus de vin de Savoie à New York qu'à Paris. Donc comment devenir prophète dans son pays, déjà, et comment bien valoriser à l'export? Et voilà, c'est un très bref résumé de ce qui s'est dit. Merci déjà. Si éventuellement d'autres personnes veulent rajouter un ou deux points, si, voilà, si, n'hésitez pas. Je vais simplement rajouter un point par rapport à ma participation à cet atelier. Effectivement, dans l'échange, on a abordé naturellement la qualification de production qui était sous l'égide de l'AOP. Et un participant, à la fin du tour de table, qui nous dit, écoutez, moi l'AOP, je ne sais pas ce que c'est. Quoi. Donc effectivement, j'ai pris un petit peu ça dans la figure, parce que c'est vrai que nous, producteurs, pour nous, l'AOP, c'est vraiment un gage de qualité par rapport à des contraintes de territoire, de cépage, de production. Un carcan, c'est un vrai carcan. Et je me suis posé la question là-dessus, de savoir si effectivement, dans notre communication, il n'y aura déjà pas un socle de base à faire une promotion de ce qu'est les trois segments de production viticole légaux en Europe actuellement, hein, c'est-à-dire l'AOP, puisque l'AOP, c'est la reconnaissance rehaussée au niveau européen. L'IGP, qui est aussi une reconnaissance européenne, et puis ce qu'on appelle le 200 IG. Donc ça, c'est une réglementation qui est extrêmement récente, hein, qui date de 2008. Et là-dessus, je pense qu'il y a un premier niveau de communication à faire qui nous incomprend, mais un niveau de communication institutionnel où effectivement, ça permettrait déjà de diriger et d'orienter certains consommateurs sur une qualification de production et qui, pour nous, derrière, serait certainement plus facile à intégrer et à gérer un plan de marketing plus cohérent. Voilà ce que j'avais à rajouter.